Bon, les amis, une petite vidéo du soir rapide où je vais vous apprendre à miner du pyrine. Donc le pyrine, c'est ce que je suis en train de miner actuellement. Vous pouvez le voir là et là. Je l'ai choisi. Alors je suis un petit peu opportuniste parce que en ce moment, on a quand même un gros pump qui a lieu sur plusieurs coins. J'étais sur hred.no. Je vous rappelle que sur ce site, vous avez la rentabilité à l'instant T. Et quand j'avais regardé la rentabilité, c'était le Pyrine qui était devant. Alors maintenant, c'est le Utsat HTN que j'ai miné de façon très early. Hein. On a des pools, je vous le rappelle, pour les deux, hein, Pyrine et Utsat. Et c'est à vous de voir. Moi, ce qui me fait, ce qui me rend bullish sur le Pyrine, c'est les annonces qu'il y a eu. Alors, à savoir, on a eu CoinMarketCap qui montre la vraie supply du Pyrine. Donc ça date du 19 mars. Et on a aussi cette deuxième bonne nouvelle. Le Pyrine Network fait partie du Starter Founder Hub de Microsoft. Voilà. Donc, le volume aussi d'échange est bien supérieur. Je vous montre un petit peu parce qu'il y a un listing chez Mext. Donc, on est à plus de 7 millions de dollars échangés contre pour le second, donc le Hussat, on est juste à 54 000 parce qu'il manque des listings. Voilà, même s'il y a des choses très positives sur les deux, aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur le Pyrine et ça tombe bien, le Pyrine, j'en avais pas miné. Alors, pour tous ceux qui découvrent ça aussi, je vous montre pour accéder toujours au vrai site pour ne pas vous faire hameçonner à l'étagère des faux wallets, etc. Je vous conseille vraiment de repartir toujours par la pool, par la page de mining pool stats, tout simplement. Et là, par exemple, vous avez la page web du projet Usat et vous avez accès aux différentes ressources. Donc là, moi, je vais le faire, mais pour le Pyrine. Donc j'ai mis la page ici, hein. Toujours pareil, mining pool stats, vous cherchez le nom de votre coin et puis ça marchera normalement. Donc vous descendez pour aller sur le site web. Moi j'ai téléchargé le web wallet. Alors, il est déjà là. Donc il me demande mon password pour le déverrouiller. Je vais vous le mettre. Alors si c'est cette première utilisation, là par contre vous aurez à inscrire le nom, à noter les 24 mots, la seed, et ensuite vous aurez accès au wallet et vous voyez donc c'est un wallet tout simple avec wallet, send, transaction, history, j'en ai pas encore parce que c'est tout nouveau, je viens de commencer encore une fois le minage de Pyrine aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer comment vous allez configurer votre adresse dans iOS. Donc c'est très simple, vous prenez donc l'adresse du wallet, l'adresse de réception, hein, et vous allez dans portefeuille. Alors moi je vais en créer un nouveau pour le fun maintenant. Donc ça doit être Pi Y, voilà I pour Pyrine. Vous rentrez l'adresse, vous mettez le nom que vous souhaitez, hein, test 2, je vais l'appeler. Voilà, on fait créer, l'adresse va se créer. Vous pouvez le vérifier ici. Voilà, donc j'ai plusieurs wallets. Le web wallet et le test 2 que je viens de créer à l'instant. Ensuite, vous allez dans feuille de route. Vous allez sélectionner nouvelle feuille de route. Vous allez chercher le PYI. Vous sélectionnez le portefeuille, donc test 2. Vous sélectionnez la pool et sur la pool, en fait, la GG pool est dorénavant bien référencée. Donc moi, je suis en France, je prends ce serveur-là qui est le plus proche. Alors, sachant que le serveur de Singapour a été et le serveur du Canada ont été retirés récemment parce qu'en fait, il n'y avait personne dessus. Donc on ne peut pas se permettre de payer des serveurs pour rien. En plus, ça complexifie tout ça, donc on les a retirés. Alors, je vous invite, si vous voulez le vérifier, normalement, ça devrait être actualisé ici. Hein. Ah ben non, c'est pas encore actualisé. Donc, Ara, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va falloir que tu nous actualises ça comme il faut. Donc, on revient à la flight sheet. Donc là, maintenant, on sélectionne le mineur. Moi, j'ai utilisé LOL Miner.
Et il faut l'appeler, donc je test, test ggpool 2. Voilà, vous créez la feuille de route. Et ensuite, au niveau de vos workers, vous sélectionnez le worker que vous souhaitez. Et vous allez sélectionner la feuille de route pour le Pyrin qui vous intéresse. Donc c'était celle-là. Bon, là, je ne vais pas la lancer parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Je voulais simplement vous montrer comment on fait pour aller miner du Pyrin. Si vous voulez modifier l'URL, je vous rappelle, vous faites modifier ici. Vous pouvez configurer dans ici en fait le serveur de la poule. Donc vous pouvez mettre et le port. Donc là, c'est mis par défaut, mais vous pouvez très bien forcer à la mano. Donc on va le faire pour vous montrer, par exemple, si je voulais me mettre sur le serveur allemand. Donc ça serait ça et 7700. Allez. Sauf que ça doit être différent. Alors ça doit être juste comme ça et 7700. Voilà, donc ça serait la config à faire si vous voulez le faire à la mano. Donc il y a toujours plusieurs façons de le faire. J'espère que ça vous a intéressé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Attends, on va la lancer quand même. On va vérifier qu'elle fonctionne avec ce que j'ai fait à la mano. Attendez, c'était bien celle-là. C'était bien celle-là. Suspense, est-ce que Jean-Jean a fait des bêtises ou pas? Encore une fois, c'est un pari sur l'avenir. Là, je suis un petit peu... je le fais... Hein. Je fais mon opportuniste. On verra ce que ça donne. J'ai été vérifié aussi... Alors, attendez, mon adresse, il va falloir juste que j'aille la retrouver. Voilà. On va la copier pour voir où est-ce qu'on en est. Mais je crois qu'en plus, on a pas mal de chance... Et voilà, donc l'historique de mes gains, 4,6 pyrine, c'est incroyable. Donc on a, en plus comme c'est des blocs très très rapides, parce que je vous rappelle, le pyrine comme le Carlson, ce sont des forks de Caspa qui sont ASIC résistantes. Donc beaucoup de blocs de trouver très rapidement. Donc même si on n'est que 12 mineurs, on trouve des blocs très rapidement. Alors là, ça met yesterday. Le dernier bloc, mais c'est parce qu'en fait le bloc il est tombé il y a voilà, vous voyez, dans la dernière heure on a trouvé environ 4 blocs en fait, donc c'est très très rapide. Donc je vous dis à très bientôt les amis, c'était Jean-Jean.